Et bonjour tout le monde, Soximos. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Build. Et aujourd'hui les amis, je vais vous apprendre à construire cette magnifique maison moderne. Regardez-moi ça, elle est super grande, elle est très très simple à faire. J'espère que ça va vous plaire les amis. Comme d'habitude, pensez à lâcher un max de likes, une vue est égale à un like, et bien sûr abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc voilà le tuto, j'espère que vous allez bien l'aimer et je vous souhaite un très bon visionnage. Alors pour faire cette maison les amis, vous aurez besoin d'un bloc de feuilles, d'un muret en pierre, d'un escalier en bois de chêne, de sapin, d'un bloc de concrete blanc, d'un bloc de bois de sapin, d'un bloc de quartz rayé, de vitre grise, de dos, d'une porte en fer, de boutons et de pierre. Donc les amis, je vous ai mis des dimensions là, 13, 14, 4, 16, 3, 2, 9, 2. Je vais vous expliquer ce que c'est, mais voilà. Donc en premier lieu, vous allez prendre votre bloc de pierre. Et on va suivre le 13 et 14. En fait, on va faire 14 blocs comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, on fait 14 blocs de long ici, 13 blocs de large en comptant celui-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et après, on rejoint le rectangle. Voilà, rien de plus simple. Et après, on va faire 4 de haut, bien évidemment. Donc c'est pour ça que j'ai mis 13, 14, 4. Donc voilà, on a fait ça, 4 de haut, 1, 2, 3, 4. Et après, on fait un grand mur, voilà. Donc ça, c'est la première étape, les amis. Un grand mur en pierre, vous allez voir, ça rend pas très joli, mais à la fin, ça va avoir un super rendu. Donc oui, je m'étais remis à faire deux tutos en deux semaines, il y a quelques mois, même pas. Et en fait, ça vous a super bien plu, j'étais très étonné. Donc du coup, je me suis dit, bon bah, si vous aimez les tutos de build, si vous aimez apprendre à faire des maisons, eh bien, je suis là pour ça. Donc voilà, et d'ailleurs j'ai fait en tout 150 tutos de maisons, d'hélicoptères, d'avions, d'immeubles, de trucs, de piano, de machines à café, distributeurs. J'ai tout fait les amis, mais en tout des maisons j'ai dû en faire 80 tutos, donc allez voir sur ma chaîne, il y en a plein. Donc regardez ça les amis, on a notre magnifique bunker. Pour l'instant ça ressemble à un bunker, mais vous allez voir après ça va être beaucoup plus joli. Donc une fois qu'on a fait ça les amis, on va faire le garage. Alors le garage, il faut laisser 2 d'espace, il faut creuser 1, 2, 3, 4, 5 ici. Voilà, on creuse 5, on casse sur 3 de hauteur. Donc 5 par 3, voilà, et on laisse 2 d'espace. Ici normalement il devrait avoir 3 blocs ici. On fait un trou de 2 ici, voilà, de 2 par 2 ça va être la porte. On va mettre de la pierre en dessous. Et d'ailleurs on va directement mettre les portes ici. Tac, voilà, on va mettre les 2 portes. Et voilà. Donc normalement il est censé avoir 3 d'espace ici, 2 portes et 2 d'espace ici. Si vous avez bien compté, 14, regardez, 2, 4, 5, 6, 7. 7 plus 5 ça fait 12. Et 12 plus 2 ça fait 14, donc on est très bon. Maintenant on va prendre nos blocs de quartz en piliers rayés. Ah, j'ai oublié de dire, oui sinon c'est bon, il y a un bouton. Donc il faut un bouton. Donc on va en mettre 2 de chaque côté ici et 2 de chaque côté ici. J'ai choisi de mettre de la pierre parce que c'est beaucoup plus moderne, vous allez voir à la fin. Et sur mes dernières maisons, mes derniers tutos, j'ai utilisé aussi de la pierre. Donc vous allez mettre un bloc de quartz ici parce qu'on le veut pas en hauteur. En fait c'est juste un support pour pouvoir les mettre comme ça, vous voyez, dans le bon sens. On va le refaire ici, tac 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 tac. Parce que regardez, si vous mettez pas un bloc de support au début, eh bien le bloc ici, bah, il est pas du tout bon. Donc faites attention de mettre un bloc de support, de toute façon après on les casse. Donc ça, c'est la porte du garage les amis. On va mettre des boutons sur chaque porte du garage, comme ça exactement. Et voilà, donc là on a déjà notre garage. Une fois qu'on a fait ça les amis, on va prendre notre stone et on va faire une délimitation entre le garage et l'entrée de la maison. Donc en gros il faut laisser 3 d'espace ici. Donc en gros vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, vous comptez 8 blocs. 8 blocs de pierre, faut se coller ici quoi, à la porte du garage. C'est pas très symétrique mais c'est pas très grave. Nous ce qu'on veut c'est, ouais on aurait pu faire symétrique, ouais. Mais bon après le garage, est-ce que c'est important? Je préfère garder de la place pour la maison, mettre un petit meuble ici, etc. Une fois qu'on a fait ça, on referme. Comme ça, parce qu'ici il y aura la cage d'escalier. On referme là, 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 comme ça. On va mettre de la pierre partout au niveau du garage. Ou du quartz, ou c'est comme vous voulez, mais moi je préfère mettre de la pierre. Bon, alors on aura tout en pierre, mais bon, c'est pas très grave. Donc on met tout en pierre, le sol, le sol, le sol, le sol. Tac, 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 voilà.
comme ça. Et au niveau du sol ici, on va mettre des blocs de spruce wood planks, donc des blocs de sapin, voilà, des blocs de bois de sapin. C'est assez foncé en général, j'aime pas le bois foncé, pour ceux qui me connaissent bien, j'aime pas le bois foncé sur Minecraft, mais je dois avouer que des fois faire des tutos avec du bois foncé c'est plutôt pas mal. Donc on remplit ça, hop hop hop, voilà. Tac, 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 tac. Alors, je sais pas, là je préfère le faire dans cet ordre, mais après on peut mettre le plancher à la fin. J'hésitais à faire d'abord la structure de toute la maison et après faire les finitions. Mais je préfère tout faire, voilà, j'ai pas envie de m'attaquer à un autre endroit de la maison tant que j'ai pas fini celui-là. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est à peu près bon. Il restera uniquement à faire des fenêtres. Alors en gros, on va se mettre à deux d'espace ici. On compte deux d'espace et on fait un trou ici. On laisse un d'espace, on fait un trou d'ici. On laisse trois d'espace, un, deux, trois et on fait deux trous ici. C'est normal que c'est bouché parce qu'il y a le mur, mais bon, ça sera une fausse fenêtre. Et si on laisse un d'espace, il y a une fenêtre. Donc en gros, deux, en gros, là, regardez. Là, du coup, si vous avez bien compté, il y a deux d'espace de chaque côté. Il y a une fenêtre de chaque côté, puis un d'espace de chaque côté, puis une fenêtre de chaque côté. Et en plein milieu, il y a trois d'espace, voilà. Dont une fenêtre qui est un peu, voilà. Donc il y aura deux fenêtres dans le garage, une fenêtre ici et une fenêtre qui ne sert strictement à rien. Donc ça, c'est fait pour le, ça c'est fait pour l'intérieur, on va dire. Enfin, l'intérieur, c'est fait. L'intérieur, je vais pas le faire aujourd'hui, sinon faire de la déco, ça va être beaucoup trop long. Le tuto va durer vraiment 45 minutes. Mais là, pour l'instant, on va recouvrir du coup. On recouvre tout en pierre. Voilà, j'ai juste fait les murs voilà, pour vous montrer. Mais voilà, on va tout recouvrir de pierre. Tac, tac, tac. Et on va mettre les fenêtres en verre gris. Voilà. On va prendre nos vitres grises et on va reboucher les fenêtres avec les vitres grises. Donc on fait comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, parfait. Ça ressemble encore à un bunker, mais vous allez voir, ça va arriver. On va prendre notre grey, voilà. Notre grey stained glass. On en met 2, 4, 6, 8. Voilà, parfait. Maintenant qu'on a fait ça, les amis, on va pouvoir s'attaquer au dur. On a les spruce wood planks. Vous avez vu, là, j'ai mis 16-3 et 2-9-2. À quoi ça sert? Eh bien, ça veut dire que ici, on va se mettre... On va se mettre à 3 blocs d'écart. Donc 1, 2, 3. Et on va compter 16. Donc on va péter les 3 ici. Et là on compte 16. 1. Alors on va. Et du coup on va se mettre là à 2 blocs d'espace. C'est pour ça que j'ai mis 2, 9, 2. Donc on se met à 3 blocs. Et on va compter 16 à 2 blocs ici. 1, 2, voilà comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, c'est bon, j'ai cru que j'avais mal compté. Donc voilà, ça c'est bon. Pourquoi j'ai mis 2 d'espace ici? Parce que c'est les 2, 9, 2. Là, on laisse 2 d'espace et on compte 9 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et après 2, 2, 9 et 2. Et du coup, on remet 16 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et on les relie, tout simplement. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va les monter de 4 de haut, donc en comptant la couche qu'on a déjà mise, donc on n'a plus qu'à en mettre 3. 1, 2, 3, 4, voilà. Et là, on met du bois partout. On met du bois partout comme ça. On va faire un deuxième bloc, les amis. C'est comme un bloc qui se pose. C'est un bloc de bois qui se pose par-dessus le bunker en pierre. On va dire ça comme ça. Alors, il y a des gens qui me demandaient c'était quoi mon pack de textures dans les derniers tutos que j'ai fait récemment. Je crois que j'avais le pack de base. Voilà, donc pour ceux qui me demandaient, voilà, j'ai le pack de base. Il y a très longtemps dans mes anciens tutos, j'utilisais mon pack de textures de l'époque que j'utilise plus maintenant, mais qui est toujours dans la description, que vous pouvez toujours télécharger, je crois. Il y a des gens qui m'ont dit que le lien était mort, mais je crois qu'on peut toujours le télécharger, donc tentez, si vous pouvez le télécharger, tentez les amis. Mais voilà, et là j'utilise pas le pack de base, j'utilise le Faithful, F-A-I-T-H-F-U-L. Vous pouvez le télécharger sur internet, c'est une version plus détaillée du pack de base. Voilà, c'est les mêmes textures sauf que c'est plus détaillé. Une fois qu'on a fait nos murs en bois, eh bien on les rebouche. Voilà, tout simplement, on les rebouche en entier. Tac, 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 voilà. Hop, hop, hop. On fait comme ça, comme ça. Donc voilà, vous pouvez télécharger mon pack qui est dans la description si vous voulez. Je crois qu'il est encore, je sais même plus. Ça fait 2 ans, je crois, que je regarde plus s'il y a mon pack dans la description et tout. Mais allez voir, on sait jamais. Donc une fois qu'on a fait ça, on va ici reboucher ici, voilà.
Parce que vous avez vu, il y a un petit, il y a quand même un petit décalage. Je vais pas tomber dans le vide quand je marche dans ma maison. Alors ici, il y aura une marche, vous voyez. Donc il faudra mettre des escaliers que je vais utiliser. Enfin, je vais mettre après. Bon, on peut les mettre tout de suite, hein. Ça me dérange pas. Donc en gros, on va mettre les escaliers ici. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors c'est un peu sombre, hein. Vous allez voir, on va mettre des fenêtres. Mais voilà. Et là, on referme totalement. Pourquoi? Parce que du coup, voilà, si on aurait refermé plus bas, ça aurait été plat ici, à l'intérieur, mais à l'extérieur, ça aurait donné un truc bizarre. Donc voilà, là on est très très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des fenêtres. Alors on va mettre un d'espace, on va mettre une fenêtre, un d'espace, une fenêtre. Là, on laisse 3 d'espace, 1, 2, 3. Et là, on met une fenêtre, un d'espace, une fenêtre. Voilà. Et normalement, entre les 3 d'espace, le milieu, le deuxième ici, eh bien, ça doit être dans la lignée de ce bloc-là. Et c'est très important puisque là, on va prendre nos panneaux gris. On va remplir les fenêtres, comme ça. Et ici, on va du coup mettre, faire un contour et on va faire un contour avec les vitres. Et normalement, la vitre doit arriver pile au milieu. Et là, on fait tout le tour, les amis, vraiment tout le tour. Tac, 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 tac. Voilà, ici, 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 ici. On met jusqu'au bout et jusqu'à là. On va pas mettre de fenêtre de l'autre côté, mais voilà, vous avez compris le concept. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un escalier qui joint du coup le rez-de-chaussée à l'étage. Alors comme je vous ai dit, là il y aura la cage d'escalier. On va se mettre ici, on laisse 3 blocs d'espace, on met un bloc. Et là on met 1, 2, 3, voilà comme ça, 1, 2, 3. On va péter au-dessus et normalement on arrive pile dans la maison. Donc on fait comme ça, comme ça. Alors je suis désolé, il n'y a pas trop de lumière parce que justement il y a les shaders. Mais ici on va mettre une porte, voilà, on met une porte avec un bouton. Tac, on met un bouton à l'extérieur, comme ça on est bon. Ça donne un peu plus de lumière, mais là voilà, comme avec le shader il n'y a pas trop de lumière. Donc voilà, ça c'est fait les amis, on a un escalier. On va pouvoir mettre des escaliers à l'envers ici pour pouvoir, voilà, pour que ça soit plus esthétique. Et de l'autre côté, on va faire la même chose. On va se mettre ici, alors un bloc après le niveau de la fenêtre. On se met un ici, 2, 3, et là on pète. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà, on arrive dehors normalement. C'est normal puisqu'après là on va construire un nouveau bloc par dessus. Donc voilà, on arrive dehors, c'est parfait les amis. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre nos blocs de white concrete. Et là on va faire un autre bloc comme je vous ai dit. Donc on va le commencer à partir de ici. Il faut que ça soit entre les deux fenêtres. Et en gros on va faire comme un tour en fait. On va faire un contour. Il faut que ça dépasse de 1 d'à peu près partout. Voilà, il faut que ça dépasse de 1 ici, un ici et un ici, voilà, comme ça. Et là, au niveau de ce bloc-là, donc là, on n'a pas de fenêtre pour se rendre compte, mais du coup, on a juste à refermer ici. Et on va monter de 4 de haut encore, donc 5 de haut, mais 4 de haut, voilà, parce qu'on a déjà posé une couche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà. On fait, hop là, tous les contours comme ça, tac, tac, tac. Et on va pas faire tous les murs, attention. On va mettre des fenêtres ici, ici, mais là, ça va être mur et mur. Donc tac tac tac, je vais vous montrer. On fait comme ça, comme ça. Hop hop. Et là on va mettre des murs sur ce côté là et l'autre côté. Voilà. Parfait. Comme ça. Et ici aussi. Donc on remplit bien. J'ai hésité à mettre du quartz mais il y a moins de... C'est moins épuré le quartz. Voilà. Donc vous pouvez mettre du quartz, hein. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez, si vous préférez le bois clair comme moi, vous pouvez mettre du bois clair, etc, etc. Bon, moi j'ai mis du bois foncé. Voilà, c'est pas parce que je fais un tuto comme ça qu'il faut le reproduire à la lettre. Faites selon vos envies, selon vos choix, selon vos goûts. Donc voilà, vous mettez des fenêtres ici, vous en mettez de l'autre côté. Tac, 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 tac. Hop, 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 hop. Voilà, vous en mettez là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hop, voilà. Ici, on va se mettre au milieu, on met une porte, comme ça, hop, voilà, et comme ça. Et voilà, là, on est bon pour l'instant. Donc maintenant qu'on a fait ça, alors il faut refermer, bien évidemment, j'ai oublié de refermer, mais on le referme, les amis. Faut pas laisser de... Faut... Imagine, la pluie, elle tombe, là, imagine, il y a de la pluie. Comme en Bretagne, bah là, t'es mort, hein. Là, là, ta maison, elle est foutue, les amis, elle est foutue. Donc hop, tu mets bien ça, 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 voilà, comme ça, et on rebouche. Maintenant on va faire le dernier bloc et vous allez voir là on est déjà presque à la fin, c'est ça qui est vraiment génial, c'est qu'on est presque à la fin. Donc en gros là vous allez mettre, vous allez prendre votre bloc de concrete et vous allez faire 2 de hauteur, voilà. Et au niveau des 2 de hauteur, bah vous êtes très bien, et vous allez vous mettre à 1 de largeur ici, voilà. Donc 1 de largeur, en gros vous faites, vous savez quoi, vous faites comme un collier, comme ça, voilà, vous faites comme un collier qui entoure bien la maison, de 1 de, qui sort de 1 en fait, voilà, qui sort de 1 de partout. Un ici, un bloc, voilà. Sauf que ici vous allez mettre un bloc en plus, voilà. Il n'y a pas plus simple.
On va faire un mur. On va recouvrir le truc, le bois. Le mur sera de blocs d'épaisseur, mais c'est pas grave. Donc voilà, vous allez faire ça. Et ici, vous allez mettre 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 blocs en plus de celui-là, donc en tout 6 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et là, vous remontez, vous faites un espèce de gros bloc hardcore. Comme ça, voilà. On va faire la même chose. Voilà, ici, ici, ici. Comme ça. Et ici, on fait un gros toit, enfin un gros mur aussi. Un gros mur blanc. Rempli. Dommage que j'ai pas World Edit, je serais allé beaucoup plus vite les amis, mais au moins je construis en direct la maison avec vous, comme ça vous voyez chaque bloc que je pose et vous pouvez mettre pause et retourner en arrière si vous avez pas compris un truc dans la construction. Donc hop, on fait le toit en quartz, on fait les côtés, les deux côtés en quartz, et l'avant et l'arrière on va mettre des vitres, comme ça ça va être beaucoup plus illuminé. Le dessous on met du quartz, enfin du coup je dis du quartz depuis tout à l'heure mais c'est de la concrète blanche, pardon. Il n'y a qu'un seul moment où on utilise des blocs de quartz, c'est des blocs de quartz rayés pour le garage. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre du coup hop tous les panneaux de vert, gris, donc des deux côtés, vous en mettez là, comme ça, de ce côté là, tac, tac. Tac, tac, et vous le mettez de ce côté-là. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Ici, tac, tac, tac. Voilà. Et je vais sortir parce que vous allez voir, après on va faire un autre truc. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Parfait, les amis. Donc, une fois que c'est fait, on va prendre, on va garder nos panneaux de verre et on va mettre, voilà, des vitres tout ici. Voilà, on en met des deux côtés. Une fois que c'est fait, on va faire quand même une jonction qui mène hop là. Alors attendez, parce que je reste bloqué. On va descendre ici. Et en gros, ici, on va faire une jonction qui va mener hop là, directement à, bah, à la pièce qu'on vient de fabriquer. On va mettre un escalier ici. On va même pas mettre de porte, vous savez quoi. C'est très bien comme ça, on met pas de porte. Et là, on arrive dans un magnifique truc. Voilà, maintenant on va faire le petit coin un peu sous le truc, parce que vous avez vu que là ça tient un peu, c'est de la magie quoi, hein. On va dire ça, c'est de la magie. Donc on va prendre des murets en pierre, les petits murets en cobble, et on va en mettre un pied sur chaque côté. Voilà, on met un pied sur chaque côté, hein, ici, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, voilà, comme ça, on en a mis 4, et on va prendre des oak leaves, donc des feuilles, et on va faire le tour. À faire le tour comme ça, voilà. On fait bien le tour des poteaux. Et normalement, si on fait bien le tour de tous les poteaux, bah, on arrive, voilà. Il y a la jonction ici, ici. C'est parfait, les amis. Ça match super bien. Alors, du coup, j'ai pas prévu ça, mais il faudrait faire une autre entrée ici. Voilà, on va le faire ici. Déjà, ça donnera un peu plus de lumière. Voilà. Et du coup, on va mettre de la pierre. Alors là, on met de la pierre partout, les amis. On met de la pierre partout. On va faire comme ça. On met des boutons, parce que c'est vrai que j'avais pas pensé à faire une entrée au jardin. Donc voilà, vous mettez à 1 à l'intérieur, vous avez vu, il y a un d'espace ici, et du coup là il y en a 2 parce qu'on compte un d'épaisseur du mur. Donc on fait ça, tac 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 tac, et on fait bien le tour. Alors juste le tour, merde, qu'est-ce que j'ai fait, voilà, on fait comme ça, et là, ouais, du coup on fait le tour comme ça, bim bim bim. Hop, hop, hop. Donc là, on remplit bien. Alors, on va faire ça après parce que je vais vous expliquer. On va faire une piscine. Donc, tac, 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 tac. Voilà. Donc, on remplit bien tout en pierre ici. Alors, vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre des petites fleurs et tout, mais moi je préfère laisser en pierre. Je sais pas, j'ai été inspiré pour la pierre aujourd'hui. Vous pouvez mettre des fleurs autour, après ça vous dérange pas. Enfin, genre, en gros, y a rien qui vous en empêche. Et là, vous faites tout le tour de un bloc de pierre. Pourquoi un bloc? Parce que vous allez voir, ça va délimiter la piscine, voilà. Donc la piscine, ça va être tout ça. On creuse 1, 2, 3, 4 de profondeur. Alors, non, grosse erreur, on va pas creuser 4 de profondeur. On va creuser 1 de profondeur d'abord. On va creuser 1 de profondeur. Et après, on va mettre l'eau. Sinon, c'est trop galère à mettre l'eau. Donc on fait ça. On prend notre seau d'eau, on met de l'eau. Donc sur chaque côté, et après, ça va faire des sources d'eau d'infini, voilà. Donc là, une source d'eau infinie, pardon. Et là, on creuse 4, enfin 3 du coup. 1, 2, 3. Alors moi, comme c'est un monde plat, ça va jusqu'à la bedrock, mais vous creusez, voilà, vous creusez tout comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, voilà, c'est parfait. On creuse tout parce qu'en fait, là, du coup, il faut faire quand même la piscine. Et on va creuser aussi les parois
Alors 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, vous creusez pas là, ça sert à rien. Voilà, il y aura un petit dépassement. Mais en gros, si vous voulez, on va mettre de la pierre. Et du coup, quand on va mettre de la pierre ici et ici, voilà, eh bien, on verra pas ce qu'il y a là. Donc, pas la peine de tout casser non plus. Donc, on casse, on casse, on casse, on casse, on casse, on casse. Là aussi. Hop, 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 hop. Voilà. C'est un peu long, mais au moins, vous aurez un beau résultat. Croyez-moi les amis, vous aurez un super beau résultat. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, comme je vous ai dit, bon, il y a des petits trucs sur les côtés, mais on s'en fiche. Ça n'a rien à voir. Là, on fait ça. Tac, 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 tac. C'est un peu sombre également, je sais les amis, c'est avec le shader. Hop, voilà. Tac, 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 tac. On se dépêche. Voilà. Et on fait le sol tout bêtement, comme ça. Et voilà les amis, vous avez terminé, hein. Y a rien de plus simple, ça a duré 20 minutes, y a rien de plus simple, voilà, je suis grave content les amis, voilà, elle est terminée la maison, alors je regarde si j'ai rien oublié, a priori non, j'ai rien oublié, vous pouvez rajouter toujours des trucs, faire la déco intérieure, évidemment, y a encore plein de trucs à faire si ça vous tente les amis, laissez-vous emporter par votre imagination, bref, j'espère que ce tutoriel vous aura plu les amis, il était vraiment cool, ça fait trop plaisir de faire plein de tutos comme ça avec vous les amis, et regardez-moi cette magnifique maison qu'on aura appris à construire, vous avez vu, elle était pas si compliquée que ça. J'espère que ça vous a plu, en tout cas comme d'habitude pensez à commenter la vidéo, pensez à la liker, pensez à la partager, c'est le plus important, bien sûr abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, c'était Oxymos pour servir, allez ciao ciao.